Bref, on était vendredi, le jeu était déjà dispo, je me suis levé, j'ai mangé, j'ai pris une douche, je suis allé au magasin, ils en avaient plus en stock. J'ai pris la voiture, je suis allé dans le magasin, ils en avaient en stock, j'étais content. Je suis rentré chez moi, j'ai allumé la console, il y a eu l'orage, la console s'est éteinte, j'ai gardé mon calme. No God! No God, please no! 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 J'ai rallumé la console, j'ai mis les CD et là. Ça a marché. J'ai créé mon perso, ça m'a pris une heure. J'ai créé mon palico, ça m'a pris 30 minutes. On m'a envoyé sur un bateau, un mec bizarre m'a parlé, une meuf bizarre m'a parlé, c'était mon assistante. Le bateau s'est renversé, on a atterri dans la forêt, un monstre nous a coursé, un type baleine nous a sauvés, on a arrêté de courir. Un autre type baleine nous a expliqué ce qu'on faisait là, il m'a donné des ordres, j'ai pu enfin commencer. J'ai vu des monstres qui crachaient du feu, de la boue, de la foudre, je les ai regardés se battre entre eux, j'en ai tué, j'en ai capturé, j'ai tué des monstres plus petits, je me suis fabriqué des armures avec le reste, je suis allé à la pêche, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai parlé à d'autres gens bizarres, je suis retourné à la chasse, je me suis pris pour Tarzan, j'ai fui comme un lâche. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai retrouvé mes potes, on a tué des monstres ensemble, et je refais tout ça des dizaines de fois. Bref, j'ai joué à Monster Hunter. Salut à tous, c'est Chose qui vous parle. Bienvenue sur la chaîne Rhino Gaming Crew. J'espère que cette intro vous a plu, et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Monster Hunter World. Je suis à peu près à 100 heures de jeu, et je vais vous dire ce que j'en pense. On y va! Commençons par le commencement, la création du personnage. Homme, femme, noir ou blanc, asiatique, indien, le menu de création est extrêmement fourni. J'ai mis une heure à créer mon perso, à choisir la couleur de ses cheveux, de ses yeux, la longueur de son nez, et à ajouter sa cicatrice. Seul petit bémol, on ne peut pas modifier le physique du personnage, je parle de sa musculature, de sa taille. Après ça, il faut passer au palico, c'est ce petit chat qui va vous aider pendant les combats, en vous apportant du soutien, ou en donnant lui aussi quelques coups bien placés. Lui aussi a droit à la totale. Forme des oreilles, longueur des poils, couleurs différentes selon les parties du corps. Vous avez de quoi faire. Avec ce personnage, vous allez pouvoir évoluer dans un monde semi-ouvert. Les décors sont riches, travaillés, et tout est vivant autour de vous. Les animaux se battent entre eux, mangent, et de jour comme de nuit, vous allez pouvoir observer ce monde évoluer sans vous. Et en chacun un environnement et un comportement qui leur est propre, votre manière de les affronter ne sera jamais la même. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, ma préférence va au Tobikadashi, un monstre agile et nerveux de type électrique et qui vous permettra de crafter une armure que je trouve magnifique. Et puisqu'on parle d'armure, il est temps d'aborder le sujet du craft et du farm. On est dans un RPG et vous allez devoir récolter des ingrédients et des bouts de monstres que vous avez vaincus afin de pouvoir améliorer votre équipement et progresser dans le jeu. Le jeu vous invite clairement à devenir un accro de la récolte et à ramasser tout ce qui traîne, mais aussi à abattre des petits monstres ici et là. Herbe de sommeil, Scaralux, champi paralysie et j'en passe, tout ça vous permettra de préparer des potions et des pièges avant d'aller à la mission. Les armures et les armes évoluent au fil de l'aventure et pourront être améliorées à la forge, un endroit où vous passerez beaucoup, beaucoup de temps. Les skins d'armure sont à l'image des monstres. Et elles pourront elles aussi être améliorées ou interchangées entre elles. Au sujet des armes, on ne va pas toutes les détailler ici, mais elles sont au nombre de 14. Vous les aurez basiques, mais elles peuvent évoluer. Elles ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, et tout dépendra donc de votre style de jeu. Dans tous les cas, elles sont toutes bien différentes, et il vous faudra du temps pour les maîtriser et comprendre leur fonctionnement. Maintenant que vous êtes paré, vous pouvez vous attaquer à la partie principale du jeu, la chasse. En général, avant de faire tomber le monstre et de récupérer vos récompenses, il y aura trois étapes. Trouver des pistes, traquer la bête, vaincre le monstre en le tuant ou en le capturant. Il y a autant de façons d'affronter un monstre qu'il y a d'armes et de pièges dans le jeu. Vous pouvez y aller comme un bourrin et taper seulement avec votre hache, ou encore vous aider l'environnement pour vous aider. A vous de choisir. Les combats sont tendus, dynamiques et loin d'être répétitifs. C'est là un des grands points forts du jeu. Entre les autres monstres qui viendront attaquer votre proie, ou les potes comme Nikos qui viendront casser votre combo en vous en tapant avec sa hache, vous allez être servi. Même au niveau des quêtes, le jeu vous laisse une grande liberté. Si vous en avez assez de la chasse, vous pouvez aller cultiver des ingrédients, explorer librement les maps, ou relever des défis d'arène. Vous pouvez aussi rejouer les missions principales, ou aller aider des joueurs qui auraient lancé une fusée de détresse. Tout est faisable en solo ou en groupe, et c'est là un autre point fort du jeu. Mis à part des petites difficultés pour rejoindre mes potes de clan, le jeu est clairement plus fun en groupe.
Le niveau des monstres est adapté dès que vous passez en multi, donc pas plus facile. Et voir un autre joueur s'envoler avec son glaive ou tirer une grosse cartouche d'arbalète est totalement jouissif. Donc ramenez vos potes, trouvez-en des nouveaux et éclatez-vous. À ce propos, on a créé un clan ouvert à tous. On vous mettra un lien dans la description. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou à rejoindre directement le clan. Le nom sera dans la description. Au final, je donne à ce Monster Hunter World la note de 9,5 sur 10. 9,5 parce que j'en suis encore qu'au début et que j'attends de voir ce que vont donner les DLC. Mais dans tous les cas, le jeu est déjà une franche réussite. Je trouve l'ensemble cohérent et les commentaires des spécialistes comme des jeux lambda le prouvent. Je vous conseille donc vivement de vous y mettre si vous hésitez encore ou si vous n'avez jamais entendu parler du jeu, ce qui serait surprenant. Voilà pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas et donnez-nous votre avis dans les commentaires pour qu'on puisse continuer à progresser. Aussi, s'il y a des jeux que vous vouliez qu'on teste, n'hésitez pas à nous le dire aussi et à nous rejoindre sur les réseaux habituels. C'était Shoes pour Reno Gaming Crew, à plus.